Salut à tous, bienvenue dans ce Ça rentre dans la collection. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo Ça rentre dans la collection à cause du confinement. Mais il est arrivé quelque chose pendant le confinement. C'est Easy Cash en fait qui a décidé de ne pas de rouvrir ses magasins mais d'ouvrir son site web. Alors, moi je trouve que il faisait que des envois. Et moi, je trouve que c'était important de soutenir bah, même ce genre de magasin, même s'il y en a qui détestent ça. Et on trouve quand même assez souvent des jeux dans ces magasins-là et à des tarifs qui sont souvent très corrects. Et du coup, moi, j'ai fait quelques commandes pendant le confinement et qui sont arrivées en plus très rapidement. Donc, bravo à eux. Franchement, elles ont toujours été complètes. J'ai jamais été déçu. Et du coup, bah, je vais pouvoir vous faire... un nouveau, ça rentre dans la collection. Alors, j'ai procédé par magasin, parce que ça se fait par magasin, évidemment. Et en fait, souvent, je cherchais un jeu particulier. Et à côté, en fait, j'allais voir les jeux PS3, leur boutique PS3, pour voir tout ce qu'ils avaient à moins de 3€. Et je prenais tout ce que j'avais pas. Un peu comme si j'étais dans un vide-grenier, en fait. Il n'y a pas de vide-grenier, mais voilà. Je me rabats, sur ces magasins Easy Cash. Et du coup, j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Et donc, on a un compte-rendu d'achat et on en aura aussi un très certainement la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on ne va faire que du PS3 que je vous dis, j'ai trouvé à très très peu cher. À part celui-là. Alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il était dans un magasin où il y avait un jeu que je cherchais. C'est une compilation Tom Clancy que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-ci, avec donc le Rainbow Six Vegas 2 et le Ghost Recon Advanced Warfare 2. Donc j'aime beaucoup les Tom Clancy, c'est des FPS très 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 tactiques. Et donc je n'avais pas cette petite compilation dans ma collection, donc comme je l'ai vu, je l'ai pris. Celui-là, il était un petit peu plus cher, hein. Il était à 7 balles je crois, ouais c'est ça, il était à 7 balles. Mais vous allez voir, le reste des jeux, par contre, c'est du vraiment pas cher. Donc voilà, on rentre la petite compilation Tom Clancy qui fait bien plaisir. Moving into position now. Let's go. Rainbow Six Vegas 2. On continue donc avec le Colin McRae Dirt. Donc c'est le premier jeu Dirt que j'ai payé donc 2€. Voilà, 2€, il est full complet. Hein. Vous voyez, il est barré, il était à 6 balles et ils l'ont passé à 2 balles. Donc voilà, bah à ce prix-là, ce genre de jeu, moi je les prends. Hein. C'est du Codemaster, c'est une célèbre. C'est une célèbre saga de jeux de rallye, de voitures de rallye. Alors moi, j'ai jamais été très très Colin McRae parce que je trouvais que les voitures elles glissaient beaucoup trop. J'ai préféré jouer au V-Rally pour tout ce qui était rallye. Voilà, j'ai jamais été plus que ça Colin McRae. Mais voilà, j'avais pas le Dirt, le tout premier. Donc voilà, il rentre dans la collection et ça fait plaisir. Allez voir hein, maintenant que la Wii U j'ai quasi fini hein, parce qu'il me manque que ce fameux câble là et j'ai certainement pas l'intention de mettre 100 balles là-dedans. Du coup, bah, je me rabats. Voilà, je vais vraiment me rabattre sur la PS3 parce que je pense qu'on peut faire des bonnes affaires en ce moment sur la PS3. Donc, j'ai pas l'objectif full set, mais. Je vais essayer, c'est-à-dire que je vais acheter tout ce que j'ai pas et je vais vraiment me focaliser là sur la collection PS3 à partir de maintenant. Donc vous risquez d'avoir souvent des comptes rendus parce que, bah, comme vous pouvez le voir, on peut acheter des jeux à vraiment pas cher du tout, du tout, du tout. On continue donc avec le Saints Row the Third. Voilà, Saints Row the Third à 3 balles, à 2,99. Donc bah, pas cher.
pas cher du tout. En plus, ils sont tous complets, ceux que j'ai eu là. Donc Notice et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc à 3 balles, jeu d'action en monde ouvert, un peu à la GTA. Hein. On dit toujours que c'est l'espèce de que c'est un GTA-like. Voilà, il faut vous faire une petite réputation dans votre quartier. Et voilà, vous allez avoir des bastons et tout ça. Bon, GTA-like, quoi. Donc les synchros, c'est une bonne alternative pour ceux qui kiffent les GTA. My city again, and you'll go home in a fucking box. Alors un petit jeu voilà, que tout le monde prend pas, mais moi je prends, voilà. Je sais que ça fait rigoler pas mal de gens, n'est-ce pas, monsieur RPG. C'est le Tour de France, voilà, sur la PS3. Pareil, 3 balles. Voilà, 3 balles. Pour moi, 3 balles. Voilà. Et puis jeu PS3, ça le fait. Donc celui-là, il y a le Tour de France, bien sûr, les 21 étapes. Je ne sais pas par contre de quelle année c'était. 2011. Édition 2011. Donc en fait, vous pouvez refaire toutes les étapes du Tour de France. C'est plus de la gestion tactique et tout ça. Et figurez-vous que c'est quelque chose que je kiffe, moi. Le Tour de France, je ne suis pas à toutes les étapes parce que je travaille, j'ai pas que ça à faire. Hein, et puis ça dure des plombes quand même. Mais j'aime bien regarder le Tour de France. Voilà, c'est posé, c'est les tactiques, tout ça. Moi, j'aime bien suivre ce genre de conneries. Donc, voilà, j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye parce que, mine de rien, alors il est très décrit. Hein. Quand on va voir les notes et tout, il est hyper décrié. Mais quand on regarde graphiquement, ça n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Je vois pas les paysages et tout ça. Il faudrait que je regarde un peu. Il faudrait vraiment que je me le lance. Avec le Rugby World Cup 2011, donc ça c'est pareil, c'est un jeu qui est assez mal noté. Donc voilà, 2 euros, c'est pas cher. Donc c'est le jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby de 2011. Et franchement, graphiquement, c'est pareil, ça a pas l'air si mal. C'est un jeu 505 games, donc voilà, c'est souvent des jeux qui sont très recherchés. Les 505 games, il y a plein de gens qui se mettent à faire des full sets 505 games. Alors je joue au Jonah Lomu. Je sais pas si c'est les. Je pense pas que c'est la même boîte. Parce que là, je crois que les Jonah Lomu c'était EA Games. Je vais peut-être dire une grosse connerie. Et les Jonah Lomu, moi j'y jouais sur la PlayStation 1. Et c'était des pixels 1. Mais alors je kiffais parce que ça partait dans tous les sens. C'était vraiment exceptionnel. Donc rugby 2011, pourquoi pas. Même si, il est très très décrié. Un jeu que j'ai reçu dans une autre qualité, mais franchement, la boîte, la notice, je vous montre ça quand même. La boîte, elle est nickel, c'est Deus Ex Human Revolution. À 3 euros, la boîte est nickel, le jeu est nickel, la notice est nickel. Donc voilà, on peut faire des belles découvertes. C'est sûr qu'on les voit pas quand on commande par internet. Mais j'ai jamais été déçu par mes commandes chez Easy Cash via internet. Et surtout quand il y a un problème. C'est-à-dire que si vous avez une version qui n'est pas française, qui vous manque une boîte ou quoi que ce soit, les mecs en général ils vous appellent avant de faire la commande. Donc franchement, ils sont franchement sérieux. Pour ça, moi j'ai jamais été déçu. J'ai peut-être eu une ou deux fois les petites surprises, mais ça reste exceptionnel. Donc ça, c'est du FPS. On a fait un petit peu le gameplay rapide parce que je voulais pas non plus vous spoiler l'histoire. C'est du FPS RPG. Donc on l'a fait sur la Wii U.
Donc c'est excellent, c'est très très bon, c'est vraiment très bon. Même si avec la Wii U, je vous le déconseille parce que la manette est à chier. Et du coup, il vaut mieux y jouer sur PS3. Donc voilà, on se fera la petite découverte sur PS3. Tiens, on reparle de RPG parce que c'est un de ses jeux favoris. Et il trouve qu'on n'en parle pas assez. Bah voilà, on en reparle. Le petit Deus Ex qui rentre dans la collection PS3. Un autre jeu qui a l'air bien moisi, parce que quand on voit les avis, il est bien pourrave, que j'ai payé 3 euros, c'est Kung Fu Riders. Voilà, alors je l'ai pris parce que ce genre de jeu dégueulasse, on va pas se mentir, souvent, quand vous faites des full sets, c'est les jeux les plus chiants à voir, parce qu'ils ne sont pas vendus, parce que c'est de la merde. Et en plus, bah du coup, comme ils ne sont pas vendus, ils sont rares, et puis la cote monte et tout, donc celui-là... Peut-être qu'il s'est vendu un peu. Alors en plus, on peut y jouer avec les PlayStation Move. Voilà. Donc 3 balles, c'est pas cher. Donc qu'est-ce que c'est que le Kung Fu Rider? C'est un jeu d'action. Donc qui nécessite les PlayStation Move. Donc vous devez les avoir. Moi je les ai, donc ça va. Donc vous êtes un détective qui, avec son assistante bah, qu'ils ont mis comme dans leur fantasme, les mecs. Hein. Et bon, vous allez donc dévaler les rues sur une chaise à roulettes. Je vous jure que c'est ça. Je vous jure que c'est ça. Vous allez avoir des véhicules complètement délire et vous allez devoir dévaler le truc. Promis, dès qu'on a le truc, dès qu'on a le fameux boîtier, je testerai ce genre de débilité parce que ça a l'air complètement hallucinant. Ah, là, un titre qui manquait vraiment à ma collection, parce que je kiffe ce putain de jeu, c'est les Uncharted, le premier, le Drake's Fortune, que j'avais pas. Donc celui-là, je l'ai payé un petit peu plus cher, 4 euros. Voilà. J'ai un petit peu divagué, j'ai dit, attends, Uncharted 1, tu l'as pas sur la PS3? C'est juste inadmissible. Donc je l'ai pris, 4 euros, ça reste raisonnable. Donc c'est de l'action-aventure, vous connaissez, hein, moi, avec. J'adore les Uncharted. Donc voilà, maintenant qu'on fait des petites vidéos de mini full set, on en fera de temps en temps, hein, quand j'aurai des mini full sets qui seront complets. Du coup voilà, il manquait à ma collection, il me le fallait. Le petit Drake, Uncharted Drake's Fortune, le numéro 1 sur PS3 qui rentre dans la collection, et ça fait méga plaisir. You assured me that Drake was captured and the island secure. Kill them both. Eldorado is worth more than you can possibly imagine. I'm telling you, this island is cursed! Oh no! Oh god, no! Alors là, alors celui-là, je pense qu'il est complet, hein, il est propre et tout, il est nickel. Mais alors, il a dû passer dans des mains. Il s'agit de Battlefield Bad Company numéro 1 que je n'avais pas dans la collection, figurez-vous. Ouais, oui, il me manquait un Battlefield et je l'ai payé 3 euros. Voilà. Mais alors, regardez-moi ça un peu. Là, il y a un gars qui a dû le vendre 6 euros à un moment donné en vide-grenier. Là, il y a une étiquette chelou, on sait pas ce que c'est. Là, il y a une promo. Donc ça ressemble à un truc de solde. Enfin bref, le truc, il a dû passer dans 50 mains.
Voilà, et il finit donc à Easy Cash à 3 euros et moi je l'achète. Voilà. Par contre, j'ai regardé le CD. Le CD est hyper propre, il n'y a pas une égratignure, donc c'est très cool. Et la notice est présente. Très content de rentrer ce Bad Company, Battlefield Bad Company, parce que c'est quasiment peut-être le seul qui me manquait à ma collection Battlefield sur PS3. Il faudra que je revérifie, mais je pense maintenant avoir l'intégralité des Battlefield, donc très content. Ça fera peut-être l'objet, voilà, d'un mini full set. Voilà, on en fera. What? That guy's still here. Would you please get the hell out of here? This town is going to pieces. I was just about to say something about that, but you wouldn't let me. What? Say something about what? Well, this time you're really able to blow things up. Using an unrivaled selection of weapons. Hold the phone here. You just said we can blow up anything? Pretty much. Anything. Pretty much anything. Now that is great news. Oh, hey, Sarge, check this out. Number one! A story of one man's journey. He said I could blow up everything. Yeah, right, right. You know, Haggard, I thought he was, you know, embedded. You've never been closer to the battlefield. Et enfin, dernier jeu, un espèce de jeu mythique, c'est le Duke Nukem Forever. Forever! Sur la PS3, donc payé 3 euros également, donc très cool. On présente plus Duke Nukem, c'est du FPS, très très vieux, ou à l'humour très adulte, on va dire. Voilà, pour résumer, à l'époque de la PlayStation 1, le Duke Nukem en fait c'était le gros rival des Doom. Voilà, et celui-là, je crois que c'est celui-là, mais genre il l'a mis une éternité à sortir. Les mecs, ils l'ont annoncé et genre, il est sorti 8-10 ans après. C'était un truc de fou. Je crois que c'est le jeu. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ce Duke Nukem Forever qui a mis une éternité à se pointer. Et il est enfin là. Et on rentre dans la collection. Le petit Duke Nukem. Peut-être on se fera un petit gameplay aussi parce que j'aime bien. J'aimais bien. J'avais joué au tout premier, moi, sur la PlayStation 1. Et j'avais kiffé. Voilà, bah c'est terminé pour le retour des sounds dans la collection. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde!